Alors, bonjour mes chers amis, Taureau, ascendant, lune en Taureau, et encore bienvenue sur la chaîne. Alors, je vais d'abord utiliser, chose que j'ai essayé de faire à titre personnel, ça m'a bien parlé par rapport à ce que je vivais. Donc, je me suis dit, je vais le faire à titre personnel et puis à titre général. C'est-à-dire, je vais utiliser le fameux tirage en croix celtique avec les cartes de Michel-Ange Tarot, qui sont les cartes des anges. Et on va voir effectivement par quoi vous passez tout au long de ce mois. Alors, je vais commencer à me concentrer pour les taureaux. Donc, on va demander le signe des taureaux. Quelles sont les énergies? Quels sont les messages des anges? Parce que c'est vrai qu'à travers des messages des anges, on vous annonce aussi des événements, hein? On vous annonce des choses à faire ou des choses à refuser ou ce qui va arriver si vous faites ci, si vous faites une chose plus qu'une autre. Donc, voilà, pour les taureaux, donc je me concentre sur le signe des taureaux. Et puis tout au long de ce tirage, vous allez voir que je vais agrémenter de différentes cartes qui m'attendent sur le côté. Et je vais voir combien de temps ça met. Parce que je ne veux pas faire trop long pour éviter de télécharger pendant des heures. Et puis moi aussi, c'est pareil, parce qu'après, je ne peux plus y arriver avec mes tirages personnels. Si vous voulez me contacter, il suffit de regarder sous la vidéo, j'ai le site Évange et Lumière. Et de passer uniquement par le site parce que c'est beaucoup plus clair pour moi que par mail. Alors, le taureau. Taureau, ascendant, lune en taureau. Pour le mois d'août, hein, le mois d'août 2019, quelles sont les énergies pour les taureaux? Donc, je fais effectivement pareil, hein, c'est ma petite invention. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Je la connais celle-ci. Profusion. Donc, la base du tirage, c'est quand même la magie divine est en chemin. Donc, quelque chose va se réaliser ou est en train de se réaliser récemment sur vous. Tendez les deux bras ou les mains. Donc, vraiment, c'est une très belle carte parce que ça peut déjà dire que quelque chose est en train d'arriver pour vous si ce n'est pas déjà fait. Alors, hop. Oh oui. Ouh là, il y a des chakras. Waouh! Il n'y a que des chakras. Vous avez des chakras qui sont... Waouh! Il y a des chakras qui sont ouverts ou qui vont s'ouvrir. Profusion. Donc quelque chose est en chemin. Chakra racine, base du tirage. Chakra racine, voyez ce qu'il vous dit. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol. Oh, détends-toi. Détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa, ah, ça s'entre pas bien, remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Donc là, ça peut indiquer que certains sont passés par des inquiétudes, surtout mentales, mentalisées, c'est-à-dire, oh là là, rien ne va, j'ai plein de choses à faire, il y a plein de difficultés qui me tombent dessus, etc. Et du coup, pour vous stabiliser, il suffit de mentaliser des racines qui vont jusqu'à la terre-mère, en fait, le noyau, et qui remontent jusqu'à vous, et même qui peuvent aller plus en haut, parce que ça fait un nettoyage en même temps, de s'imaginer un tube, en fait, des racines qui se prolongent tout au long de vos pieds et qui remonte aussi jusqu'au ciel. Mais bon, après, vous pouvez aussi le faire jusqu'au cœur, jusqu'à ce que vous voulez pour vous recentrer sur vous-même. Sur le passé, on me dit nature. Donc, en laisse un arbre, jardine, encore de l'ancrage. Passe du temps au vert. Donc, dans le passé, vous avez peut-être dû vous consacrer à un petit peu plus de réalignement sur vous-même parce que vous êtes affolé. Vous avez pris les choses peut-être du mauvais côté, du côté ben, je m'inquiète, je m'angoisse, je stresse et j'en passe. Donc là, il y a du recentrage parce qu'on me parle de mère nature et en plus du chakra racine. Aujourd'hui, ah, vous allez être connecté. Justement, je vous disais chakra couronne. Donc aujourd'hui, on me dit, ou en tout cas, vous allez commencer justement comme vous êtes ancré, vous allez pouvoir fusionner là-haut. C'est comme ça qu'on est équilibré. Parce que si on est trop dans l'air, ben on n'est pas assez ancré, on part vite. Et si on est ancré trop dans la terre, on n'est pas assez spirituel et on est trop dans l'ego. Donc il faut essayer d'avoir un équilibre entre le chakra de la base et le chakra couronne. Donc tu fusionnes avec l'univers à chaque instant, chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. C'est bien ce que je veux dire. C'est que l'ego, c'est aussi
le bas, la racine. Donc si vous êtes trop dans l'ego, en plus en étant un signe de terre, vous avez besoin de terre aussi, hein. Et vous avez besoin de spiritualité. C'est votre guide spirituel qui vous parle. Le challenge, ou en tout cas on dira plutôt l'aide, c'est qu'en étant en train de fusionner avec l'univers, et vous allez découvrir votre mission terrestre en plus parce que vous allez vous aligner avec l'univers et avec la Terre, vous allez être béni. C'est ça qui va être, on va être béni pendant ce mois. On vous dit que vous avez de réelles allô, facultés grandissantes, reconnaît ta progression, aussi petite soit-elle. Donc même petite, un petit pas fait toujours quelque chose d'énorme. Il faut pas regarder que les grandes choses, il faut regarder aussi les petits pas que vous faites chaque jour. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père céleste. Je rêve. Alors j'ai Mère Nature et j'ai le Père céleste. Ensuite, début du mois, Yin, on me dit qu'il y a une invitation à se connecter à son essence divine, son côté féminin, à son féminin sacré, à sa déesse intérieure. Donc, je recule parce que ça ne fait pas bien focalisation. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Cordialement, ta divine mère. Non, mais je viens d'en parler, en plus, je n'avais même pas remarqué qu'effectivement, il y a quand même la divine mère nature, il y a le Père céleste, la mère, donc vous allez vraiment être béni des dieux, à condition de regarder votre côté spirituel et côté terrestre, côté ancrage, réalignement. Identité, ça c'est votre pouvoir. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Vous allez devoir peut-être faire des choix pendant ce mois. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi, les maîtres ascensionnés. Donc ça c'est votre pouvoir peut-être de vous réaliser en tant que tel, de savoir ce que vous faites, quelle est votre mission de vie. Parce qu'on a une mission terrestre dès le départ et que vous êtes béni des dieux, vous allez peut-être découvrir certaines choses. Question dans votre environnement. Si vous avez des questions, on vous dit que seul votre cœur connaît la réponse. Prenez le temps de l'écouter. Boum boum. Donc il est peut-être aussi de questions d'amour, puisqu'on a un cœur qui bat. Il est peut-être question dans votre environnement de quelqu'un qui se turlupine un petit peu par rapport à une relation amoureuse. Et puis finalement, qui essaye de savoir à côté les réponses, et puis finalement, non, c'est votre cœur qui le sait. Si vous avez votre cœur qui bat pour quelqu'un, c'est peut-être lui qui sait la vérité. Motivation, ça, c'est vos désirs, peut-être d'être motivé. Si jour après jour, soyez conscient que vous faites de votre mieux, donnez le meilleur de vous-même, n'essayez surtout pas de ressembler aux autres, ça ne sert à rien. Restez simplement en accord avec vous-même, honor yourself. Restez centré sur vous. Et pas sur les autres. Ne vous comparez pas à quiconque. Chakra du cœur, voyez, j'ai quand même des chakras qui ressortent. Donc surtout précédé du chakra racine, pardon, chakra racine il est en bas, chakra solaire est là. Donc le chakra solaire c'est un petit peu l'avant, avant le cœur, c'est-à-dire que s'il y a des problèmes qui impactent votre quotidien, chose qui était là aussi, le stress, la tension, la crispation, l'estime. Estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, voilà, connecte-toi à la nature, rééquilibrage, miracle en cours. Donc on revient sur l'histoire où vous allez rééquilibrer, réaligner avec votre être, votre âme. Et automassage du plexus en 5 minutes par jour, Archange Gabriel qui intervient. Donc ça peut être le passé. Que vous choisissiez l'amour, puisqu'on vous dit déjà que vous connaissez la réponse et que c'est lui qui bat. Remets-moi tes peurs, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Archange Raphaël, donc certains taureaux vont vraiment rencontrer quelqu'un ou vont avoir une espèce de révélation ici pendant ce mois. Et ensuite s'ensuivra donc un carpe diem, c'est-à-dire vous allez vous lever le matin en vous disant que cette journée sera la vôtre. You are the boss. Vous êtes. J'adore. You are the boss, c'est marrant parce que moi j'aime bien mélanger l'anglais et le français et c'est exactement le cas. Donc vous êtes les maîtres de votre destin et ça se propose quand même. Pour certains, il faut juste que vous mettiez vos inquiétudes de côté, que vous réaligniez, que vous ayez votre à cœur de rester en connexion avec votre âme,
votre être, votre essence, et qui va vous redonner une énergie qui va être, voilà, vous allez respirer, décontracter, oublier ce passage. J'ai oublié ça. Ah, j'ai oublié ça, excusez-moi. Là, c'était... Ouais, voilà. Ça, c'est l'avenir proche, donc ça peut être prière. Donc, demandez à vos anges de vous écouter peut-être, parce que, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et les messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Donc, il y en a sûrement beaucoup qui vont prier à quelque chose de bien précis. Peut-être parce qu'ils ne savent pas la réponse, parce qu'ils ne savent pas, ils savent pas encore le résultat, mais qu'au fond d'eux, il y a quelque chose qui bat, il y a un chakra du cœur qui va s'ouvrir, et qu'à ce moment-là, tout ira bien. Hein. Vous allez reprendre votre vie en main. Carpe diem, c'est de prendre les choses comme elles viennent. Alors, je vais tirer quoi comme carte? J'avais demandé, c'est un tarot que je n'ai jamais utilisé et qui est resté dans mon placard. C'est effectivement en anglais et bon, c'est des tarots. Donc je vais essayer de vous éclairer pendant ce mois avec une carte, s'il vous plaît. En fait, moi, j'adore tellement les animaux que j'avais acheté ce... Je l'ai acheté parce que je voyais des animaux dessus, voilà. Je me suis pas préoccupée si je le comprenais ou pas. Merci. Oh, c'est trop mignon. Ah, ça me fait penser à ma maman qui adore les loutres. Et elle est taureau en plus. Ah, oh, ça doit être le 4 de bâton ou 4 de denier. Je ne les connais même pas, ces cartes. C'est fou, hein. Je suis dégoûtée. It's time to celebrate ces 4 de bâton. Ouais, d'après ce que je vois, c'est les deux loutres. C'est le 4 de bâton. Donc là, le 4 de bâton, normalement, c'est célébration, fête, mariage. Invitation, c'est la stabilité, justement, c'est la stabilité, c'est les bases dans lesquelles on se sent bien, on se sent en sérénité. Alors, ils me disent qu'il y a beaucoup de joie qui arrive grâce à un succès dans votre carrière pour certains, ou grâce à un projet qui arrive à terme. Vraiment, voilà, une vie de famille, une vie heureuse. Voilà, vous voyez comme ça. Il va y avoir aussi peut-être des vacances, du repos parce que vous avez bien bossé. Donc félicitations. Vous savez que le 4 de bâton, c'est quand même la couronne sur la tête avec le couple uni, la joie, le bonheur en famille, les invitations, les sorties et le repos bien mérité par rapport à un succès professionnel. Deuxième carte. Allez, message pour les taureaux. Ah, c'est marrant quand même. Taureau. Allez, message pour les taureaux, s'il vous plaît. Un message. Allez, celle-là dépasse. Vous en êtes digne. Ah, quelque chose arrive. Et je vois quand même des bougies. C'est-à-dire que vous avez peut-être justement fait des prières ici. Oh, je perds mes cheveux. Fais des prières et vous êtes digne d'avoir une belle récompense et d'atteindre un objectif et d'en profiter. Vous êtes digne, à mon avis, de recevoir quelque chose qui vous tient à cœur, que vous savez peut-être que vous avez quelque chose à... y a un souhait qui est fait, hein. Il y a un souhait qui peut être fait et qui va vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, beaucoup de partage. Il y en a beaucoup qui vont peut-être aussi partir en vacances puisque je vois le bateau, la mer. Il y en a qui vont réaliser un vœu qu'ils ont longtemps attendu. Et vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne de recevoir, vous êtes digne de vivre quelque chose de particulier. Hein, je ne vais pas dans le message du livre, hein, je le fais vraiment à l'intuition. On va demander quels sont... Attendez, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? J'avais sorti les signes, je me disais quels signes sont connectés avec les taureaux. Quels sont les signes? Le ou les signes? Je vais en prendre combien? Deux, ça suffit. Deux ou trois? Deux. Alors, le taureau va être connecté avec des personnes du signe du... Scorpion.
qui est l'opposé du taureau, ça peut être un complément, et du capricorne, qui est aussi un signe de terre. Ça peut être aussi peut-être l'ascendant, hein? Donc, vous allez peut-être avoir des connexions avec un capricorne ou un scorpion en signe solaire ou lunaire, ouais, lunaire, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, il y aura quelqu'un qui aura des caractéristiques du capricorne ou du scorpion. Je voulais faire aussi rapidement un petit étalage du mois d'août avec les anges pour compléter. Et puis, qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'en sais rien. une carte d'amour, un truc comme ça. Allez, message pour les taureaux. Pour les taureaux, merci. Ah, vous voyez, c'est le moment idéal. Il va être question de quelque chose qui va se réaliser puisque j'ai le 4 de bâton et j'ai le cœur qui s'ouvre. J'ai voilà des chakras qui vont s'ouvrir. L'alignement avec vous-même, peut-être le moment idéal de trouver une mission de vie, de trouver l'amour, de trouver, j'en sais rien, voilà, de vous retrouver vous-même aussi parce que vous avez des décisions à prendre, mais c'est les meilleures décisions. Donc c'est le moment idéal pour faire quelque chose de bien précis pendant ce mois. Et sentimentalement, on va essayer de chercher un petit peu ce qui se passe. Alors, message en trois cartes, on va demander trois cartes d'amour sur le plan sentimental pour les taureaux. Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Taureau, ascendant, lune en taureau. Ah, voilà, il y a une épreuve. On me dit bien qu'il y a une épreuve. Donc, cette histoire de chakra racine qui était un blocage, il y avait feu rouge. Vous avez eu peut-être le mental qui s'est emballé. Et là, il y a la chance qui tourne. Donc il y a une difficulté à passer dans votre relation, dans une situation quelconque, familiale, ou de trouver l'amour tout simplement. Hein, vous avez des difficultés à rencontrer quelqu'un, mais que là il va y avoir une opportunité qui vous est tendue, vraiment. Hein. Donc je remélange un petit peu pour pas reprendre les cartes que j'ai vues. Et on va dire. Vert. Famille, wow, homme, très beau. C'est-à-dire que vous avez le feu vert si vous êtes en couple dans une relation longue pour commencer ou pour continuer une relation avec un homme sérieux. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez fonder une famille ou avec qui vous avez déjà des enfants. On me dit que si vous voulez vous stabiliser, ah oui, ça peut être aussi quelqu'un qui est très. Très ancré, en plus j'ai l'ancre, hein, c'est-à-dire stabilisé dans une relation, qui veut essayer de concrétiser une vie de famille, qui veut essayer de s'engager, comme le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le mariage, la demande en mariage. C'est enfin, ça y est, j'ai récolté mes efforts aussi. Vous en êtes digne, donc ne doutez de rien. C'est-à-dire, si vous avez un bonheur qui vous tend, va pas falloir se sentir coupable, se dire, oh là là, moi j'ai de la chance et pas toi. Non, c'est votre tour, simplement, pour certains. Ça peut être votre tour, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, je suis désolée. Mais la majorité, il y a quand même des très beaux événements qui vont arriver parce que j'ai le moment idéal. Donc, c'est le parfait moment qui est en accord avec l'univers, qui va peut-être vous demander d'accepter des bonheurs. Une situation qui se décante, parce on m'a bien dit que oui, la réponse à votre question, c'est oui. Il y a une vie de famille, il y a une personne, si vous pensez à quelqu'un que vous êtes justement inquiète ou inquiet, vous êtes vous-même quelqu'un de sérieux, ben vous allez vous engager ou vous allez continuer cette relation dans le long terme avec une vie de famille, ça peut être une recomposition de famille, ça peut être une personne qui dit vraiment il va être fidèle. Si vous doutez d'une personne, en tout cas, vous avez la fidélité assurée. C'est marrant parce que j'entends Material World. Donc, en fait, la chanson de Madonna, Material Girl, Girl ou World? Ouais, oui, enfin bon, bref. Le matériel. Donc, peut-être avec cette relation, ça va être vraiment une relation qui va se construire dans du matériel, dans une relation ici, effectivement, d'ancrage, où vous allez construire une maison, vous allez vous engager vraiment dans du long terme. Pour certains, bien sûr. Hein. Après, je ne peux pas vous dire pour tout le monde, parce que je n'ai que trois cartes. Voilà, mes petits. Je vous souhaite plein, plein d'amour. Je vous fais de gros, gros bisous à tout le monde et encore. Plein d'amour pour vous. Allez, bye bye. Merci.